Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur The Last of Us Part 1 avec l'épisode 8. Comme d'habitude, le j'aime, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Soyez présents, ça fait toujours plaisir. Plongez-vous dans le noir, un petit truc à boire et à manger. On se retrouve une bonne demi-heure ensemble. Et n'oubliez pas, le 4K 60 FPS, c'est un pur bonheur, évidemment. Et on va essayer de se les faire. N'oubliez pas qu'on était resté un petit peu bloqué ici. C'était pas évident, évident, en vrai. Par quoi j'avais commencé, moi? J'avais commencé par le sorte d'infecté, enfin celui qui peut voir l'infecté de base. Et après, on avait fait le claqueur. Ok. Ok, désolé madame. Je sais, c'est pas très excitant, mais enfin... Ok. Alors là, l'ambiance est d'ores et déjà... apocalyptique. Comment on va s'occuper de ce clackers? Comment on va s'occuper de ce clackers? J'ai ma petite idée. On va faire le tour au calme. Allez, je t'en supplie. Let's go. Coup dans la carotte. Ok. On n'est pas cramé pour autant. Il y a quoi là-haut? J'essaye de checker. Il n'y a rien, très bien. Et on peut aller à l'étage direct. Mais j'ai quand même bien envie de voir... Oh la vache! 6 cartouches de pompe, I take it. J'ai très très fort envie de voir ce qui se passe là-haut. Ah. Non! Mais pourquoi? Le triangle n'est pas apparu! Mais on va pas y arriver, c'est quoi cette scène? En fait, j'aimerais bien le faire en full infiltre parce que c'est beau! Putain, c'est pas vrai! Ok. Ok. On va essayer de s'occuper de ça très très vite. Oh, les emmerdes! Comment ça nous fait chier? Hein. Allez, bibiche. Bon, on sait qu'il y a un claqueur, ce qui sort toujours de là-haut. On va essayer de voir en haut ce que ça donne. Ceci dit. Je déteste ces trucs. Bah, Ellie, j'ai l'impression que. Et merde, on va pas y arriver, hein. Oh, 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 oh. Exploded. 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 Ok. Je savais que j'allais recevoir pas mal de petites cartouches de pompe. Wouah! Putain, c'est chaud, hein. Joël, tu vas où comme ça? Par là! Ouais, ouais, mais tranquille, mon ref. C'est chaud, c'est chaud. Mais bon, l'important, c'est que ce soit fait. Là, y'a plus rien. Je pense qu'on a vidé le bas. Y'a la passage. Hop, 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 hop. Faut qu'on se démerde pour passer. Hop, 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 hop. Oh, Sugoi. Ok.
Ok. Très bien. Superbe. Superbe. J'ai été exceptionnel. Ok. Oh putain, mais c'est pas possible. Il y a toute la compagnie créole, frérot. Ok, et est-ce qu'il y a quelque chose là-haut ou pas? Là, on peut pas y aller, mince. Il y a pas des petits trucs cachés là-dedans, là? Sur un malentendu, une petite médaille. Bon. Oh là là. Ok, 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 ok. Oh là là. Bien, très bien même. Ne pouvait pas rêver mieux. Ok. Viens là, bibiche. Viens là, bébé. Très bien, ne pouvait pas rêver mieux. Tu fais tout le tour, toi. Toi, t'es un petit malin, toi, hein. T'as emmené ton grand-père à l'école, certainement, non? On peut y aller en vrai. On est peut-être pas obligé de le tuer, on s'en fout même. Hop, hop, hop. Allez, suivez-moi. Qui m'aime me suive? Il est loin, il est loin, il est loin, il est loin. Bon, on a eu très très chaud. Mais j'ai envie de vous dire, ça s'est fait quand même. Donc en vrai c'est ok tiers. On n'a pas utilisé plus de missions que ça. Aide-moi à l'ouvrir. Ok, prêt? Toujours. Encore une. Allez. Il y en a d'autres en chemin. Barricadez les portes. Ça marchera pas longtemps. C'est pas bon signe. Putain, c'est quoi ça? Putain, putain de colosse! Quoi? Elle est bien à l'abri! Charge! Hop! Ça dégage, désolé. Hop! Wouh! Wouh! Allez, dépêche! Ah! Wouh! Ok. Faut qu'on grimpe. Les radars avec tous ces infectés. Voilà, mon pote. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais qui je suis, moi, mon pote? Je crois pas, hein. Ok. Allez. C'était quoi ce truc difforme? Ça fait longtemps qu'il est infecté. On les appelle les colosses. Un colosse. Ok, Pigé. Vraiment navré d'interrompre votre cours de biologie, mais j'aimerais foutre le camp d'ici. Vite! Ouais. J'attends de voir s'il n'y a pas une petite médaille. Aide-moi, Joël. J'arrive, mon pote. La vache. Oh là là. Hop, ça, évidemment, on prend. Je savais pas qu'il y avait une petite réserve des familles. Et là, il n'y a pas besoin de mettre le masque? Joël? Tu nous l'as mis à l'envers? Allez, go. Incroyable! Ok. Pour moi, dans The Last of Us 1, il n'y avait aucun boss. Mais apparemment, si. Donc, un colosse. Aucun souvenir de ce colosse. C'est une agréable surprise. Joël, derrière! Oh, merde. Fais chier. Oh, putain de merde! Les gars? Je m'en charge. Les gars? Oh
Il m'a tiré dessus, ce fils de pute. Ah. Oh, qu'est-ce que je déteste ces trucs. Ok. C'est bon, tu les as eu. Mets-toi. Très très bien. Encore une fois, on a eu chaud. Allez, remonte-moi. Let's go. En plus, le colosse, il jetait des sortes de bombes puantes. Très bizarre. Très bizarre et pas très sympa. Ok. Allez, on continue, let's go. On est pas à l'abri ici. Ok, on cavale. Continuez, je suis derrière vous. Je prends des vraies claques, frère. Wouh. Mais les gars, laissons vite. Bon, on s'en est bien sorti. Ok, je vais aller inspecter cette partie de la maison. Bill, quelqu'un a eu la même idée, on m'a volé mon matos. Alors maintenant, c'est quoi le plan B? Tu devrais t'estimer heureux d'être toujours en vie. C'était le plan A, B, C, et comme ça jusqu'à Z. Et tant que tu y es, dis à Tess que son putain de boulot... Ne mêle pas Tess à ça. Tout ça foudre. N'a rien à voir. Putain. Quoi, tu connais ce type? Frank. Et c'est qui, Frank? C'était mon partenaire. Il n'y a pas deux crétins pour porter une chemise comme ça. Il s'est fait mordre. Ici. Et... Je suppose qu'il voulait pas se transformer, alors... Ouais, ça doit être ça. Tant pis pour lui. Hé, regardez ce que j'ai trouvé. Elle démarre encore. C'est ma batterie. Quel enfoiré. Descends. Descends. C'est bon, ça va. La batterie est à plat, mais les accus fonctionnent. Du coup ? Du coup, on la pousse, on la démarre et l'alternateur va recharger la batterie. T'es sûr de ça ? Écoute, tu voulais un plan B. C'est tout ce que j'ai à t'offrir. Qu'est-ce que t'en dis ? J'en dis que tu conduis et qu'on pousse. Ok. Encore des trucs à moi. Il y a peut-être quelque chose à fouiller là, non? Je sais pas. On va peut-être pas se presser. Il est bien mort. Ah. On respecte les morts, hein, on évite de marcher dessus. Ah. Ouais, bonne idée. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut se confectionner? La santé max, ça me paraît pas mal, hein. Confection rapide aussi. La stabilité de l'arme, ça paraît ouf aussi. En vrai, déjà santé. Voilà, déjà santé, c'est pas mal. Ça rajoute un bon petit truc. Et la prochaine fois, c'est stabilité, hein, parce que c'est terrible. C'est vraiment terrible de chez terrible. Hop, d'ailleurs, est-ce que je peux en profiter pour me crafter, par exemple, ça? Me crafter ça. Qu'est-ce qu'on peut se faire? On peut se faire ça. Voilà, on est pas mal. Alors, une petite lettre. Vous savez que j'adore les lettres. Alors, Bill, je doute que tu trouves un jour cette note, car tu as toujours eu peur de venir dans ce coin de la ville. Mais si jamais c'était le cas, sache que je te déteste. J'en ai le plein de cul de cette ville de merde et de ta petite vie bien rangée. Pour moi, la vie, ce n'est pas ça. Mais ça te dépasse. Et cette saleté de batterie dont tu te plains sans cesse, j'en ai marre. Tu as sans doute raison. Tenter de quitter cette ville me tuera. Mais ce sera toujours mieux que de passer un jour de plus avec toi. Ah!
Bonne chance, Franck. Bon, bah, finalement, c'est un petit peu... voilà, c'est pas le meilleur des potes. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le meilleur des potes. Hop, ça. On prend des balles de revolvers. On prend, évidemment... Les toilettes, il y a quoi dans les toilettes? Ben ouais, il y a du bon jus. Ok, on est pas mal. Ça me plaît bien. Des petites bouteilles, bah forcément. Beaucoup de bouteilles de bière hein, en Amérique, hein, ça fait plaisir. Ah, attends. Bill, j'ai trouvé ça et je voulais que tu l'aies. C'est ce que tu ressens. Va te faire foutre, Franck. Mais quel con. On y va. Ok. Est-ce que ça va aller? Ouais, t'inquiète pas. Je suis fier de toi. Je tenais à ce que tu le saches. Je vais pas te décevoir. Ok. Ok. On va essayer de fouiller par ici. Sur un malentendu, on trouve des trucs sympas. Non, on n'a rien trouvé. Allez, on s'en va. Ok, c'est parti. Let's go! Vas-y. Passe la première. C'est déjà fait. Garde le pied sur l'embrayage. Et quand ça commence à rouler... Je sais passer une vitesse. Comment tu sais ça? En fait, je m'en fous, mais t'es pas tout foiré. Ok, Ellie, prépare-toi. Maintenant, vas-y! Accélère! Alors, Ellie, là-haut! Attention! Merde! Ils sont sur nous! Ok. Ok. On a perdu quelques munitions avec ces conneries. Là, viens là. On a plus beaucoup de temps. On retourne pousser. Merci, au revoir. Alors, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. T'as vraiment foutu ma journée en l'air. Tu le sais, ça. Ok, de l'autre côté, à gauche. Ok. Ok. On doit y aller. Parfait. On va à la colline. Ouais, mais là, putain, c'est long. Je me souviens pas de ça non plus du okay, tout, hein. Prépare-toi. Allez, go. Vas-y, Ellie, démarre. Parfait. Parfait. Bill. Ouais, ça veut dire que les infectés l'entendent. Let's go. Ok, c'est bon. Stop. Laisse-la tourner, ok? Cette gamine a failli nous faire tuer. Bah non. Admets-le. Elle s'en est bien sortie, là-bas. Toi, tu vas y laisser ta peau. Oh, oh. Tiens. C'est quoi? T'imagines pas le nombre de caisses qui contiennent encore de l'essence. C'est sympa. Écoute, Bill, à propos de ton pote tout à l'heure, c'est vraiment moche. Et je...
On est quitte ? On est quitte. Alors foutez le camp de ma ville. Tu devais pas dormir? Ok. Je sais que ça en a pas l'air, mais ce truc-là, c'est pas mal. Il y a qu'un problème. Regarde, la suite prochainement. J'ai horreur du suspense. Où t'as trouvé ça? Chez Bill. Enfin, ces trucs traînaient un peu partout. Et t'as pris quoi d'autre? Ben... Tiens. Ça te rend un peu nostalgique? Tu sais, ce truc date en fait d'avant mon époque. Oh. Mais c'est une belle trouvaille. Wow. Bon, c'est mieux que rien. Non. Je suis sûre que ton ami va regretter ça ce soir. Y a pas grand chose à lire, mais les photos sont intéressantes. Non, Ellie, ça c'est pour les adultes. Wow! Comment il peut arriver à marcher avec ce truc entre les jambes? Allez, jette-moi ça! Attends un peu, je veux comprendre pourquoi ça vous passionne autant. Oh, pourquoi les pages sont collées? Je me fous de ta gueule, c'est tout. Allez, salut! Tu sais quoi? C'est pas si mal, en fait. Pourquoi t'essaierais pas de dormir? Je suis même pas fatiguée. Oh, non, non. Ah, super. On fait quoi? Fais chier. Doucement. Pitié, aidez-moi. Est-ce qu'on va l'aider? Attache ta ceinture, Ellie. Et ce type, alors? Oh, il est pas blessé. Ça va, je vais bien. Alors descends, vite. Tiens-la, ah, merde! Espèce d'enfoiré! Allez! Et fais pas de mal à jouer, hein! Voilà, toute ta mère! Je vais t'apprendre. Tu vas... Mal à Ellie. Voilà. Pétage de mâchoire. Putain, merde. Allez. Qu'est-ce qu'ils tournent pas rond chez eux? Reprends ton souffle. On s'en va. Ok. Attention. Merde. Baisse-toi. Vous lancez. Ok. Putain, comment tu résistes à ça, frère? À ta gauche!
Fils de pute. Il m'a contourné. Oh putain. Il est balèze lui. Ellie. Oh putain, c'est Ellie, c'est bon. Ok. On va soigner au calme. Sur ta gauche. Couvre-moi, j'y vais. Je te couvre. Ok. Il est mort dans une position très... très étrange. Ok, il y en a un là. Il est par là? Non, je le vois pas. Dispersez-vous! Tu vas fermer ta gueule. Ok. Voilà, ça c'est des vrais traumas. Hein. On va tout fouiller au calme. Bon, je crois qu'on les a tous eus. Ça va? Ouais, je crois bien. Tant mieux, parce qu'on doit foutre le camp d'ici. Ok. Va voir s'il y a quelque chose d'intéressant à récupérer. Bien reçu. Bon, Ellie, t'as vu ce qu'on vient de vivre? T'as pas de moment de faire, hein, le baroudeur. Là, y a rien à récup. Ok, on va fouiller tout. La vache. Par contre, le jeu... est fucking bien équilibré parce que, en vrai de vrai, j'avoue, je me sentais beaucoup trop chaud avec mon inventaire chargé. Et là, il est plus chargé, donc ça va très très vite ces conneries. Ça va très très vite, incroyable. Il y a forcément une autre issue. Alors, elle a dit quoi? T'as trouvé quoi, un petit bibiche? Dis-moi. Ok. Il va falloir qu'on trouve quelque chose pour monter, c'est ça? Ou alors juste là, peut-être, je ne sais pas. Allez. On va ouvrir ça. On a eu chaud, on a eu chaud, on a eu chaud. Vas-y. Essaie de trouver un truc pour la retenir. Allez. Il y a des trucs vraiment dégueux par ici. Allez. Ellie? Ouais. Ok, vas-y. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Regarde. Okay. Ah oui. Oh là. Oh, ça a tenté des choses, hein. Foutu chasseur. Ça aurait pu être nous. La vache. Tous ces gens ont vraiment pas eu de chance. Je savais que j'aurais dû prendre une autre route avec le camion. On est en vie? Tout juste. Fichons le camp d'ici. Ok. Qu'est-ce que c'est? Une lime. Très bien. Outils de niveau 2. Bah alors là, je comprends pas. Ça sert à quoi? Un outil de niveau 2. Quelqu'un a la réponse? Oh, incroyable.
C'est fou. Très bien. Oh, incroyable, y a rien. Mais c'est quand même fou. Ok, des petites notes. Alors, bibabibaboum, chaussures 4, blousons. Ouais, c'est des chasseurs en gros, comme ça ils revendent du matos. Tout le monde est occupé à chercher la fille. Ah, mais attends, c'est des chasseurs qui ont été envoyés pour nous, quoi. Bonsoir. Eh ben écoutez, la suite de notre aventure, c'est derrière cette porte. On va s'arrêter là, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien pour la suite de notre aventure sur The Last of Us avec l'épisode 9 déjà. Bisous tout le monde, bye bye.